Salut à tous, et vous le savez, le foot, c'est la chose la plus importante des choses moins importantes. Alors installez-vous bien, on va se régaler. Da Silva, Da Fonseca, la team Dada est bien titulaire aujourd'hui pour vous faire vivre ce match le plus intensément possible. Et nous sommes donc fidèles au poste pour vous faire vivre ce match dans son intégralité. Et il y a de la tension, mais aussi beaucoup d'impatience dans l'air. Et voilà, on y est! Quel plaisir de nous retrouver ici! J'ai hâte d'assister au coup d'envoi et de voir ce que nous réserve ce match. Bien fait ça, sans faute. Bon timing pour cette reprise de la tête. Quelle occasion! La tête a failli tromper tout le monde. Hein. Le ballon est venu frôler le poteau, mais du mauvais côté. Mo Salah. Müller. Ça joue avec Gerd Müller. Et le ballon est finalement intercepté. Et c'était une frappe vraiment bien puissante. La seule chose qui manquait sur ce tir, c'est peut-être une plus grande précision. Pulisic. Pulisic. Stones. Allons pour Pulisic. Il peut frapper Pulisic. Goal, 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 goal. Et ce but est un déclic. Il va conditionner la suite. C'est maintenant un autre match qui commence. Si on regarde à nouveau ce but, la course est bien tranchante. Elle crée des différences dès le départ. La finition est aussi très bien exécutée. Pour moi, le problème, c'est la présence défensive insuffisante. L'engagement de la part du Real. Il faut réagir après ce but concédé. Havertz, Pulisic. Bonne circulation du ballon. Ah, le ballon circule bien pour étirer le bloc. Attention à cette occasion. Ouais, sans danger ce ballon. Ouais, il y a faute bien sûr. Et coup franc accordé par l'arbitre. Et logique, l'arbitre sort le carton jaune. Ça me semble être la bonne décision. Carles Puyol, Socrates. Mais c'est intercepté, le ballon perdu par le Real Madrid. Mo Salah. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. 3 minutes. Voilà le temps additionnel que vient d'indiquer le quatrième arbitre. Busquets. John Stones. Et voilà, donc l'arbitre vient de siffler la mi-temps. Et c'est parti pour la deuxième période. Manchester United mène toujours d'un but. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Ah ouais, quel beau geste défensif. Excellent timing. Stones. Pulisic. Busquets. Socrates. Et le ballon encore pour Socrates. Cette reprise de la tête n'est pas cadrée, dommage. C'est passé à quelques centimètres du poteau avec un peu plus de réussite, c'est le début. Et le Real Madrid qui va faire un changement. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Iñaki Williams. Ah, quel geste! La transmission est coupée in extremis. John Stones. Socrates. Iñaki Williams. Ah, bien joué, pas de faute là-dessus. Salah. Ballon récupéré par United. Ah, le ballon sort, l'arbitre indique le poteau de corner. Et un changement du côté du Real Madrid. Voilà un bon coup de tête, mais le ballon passe à côté du cadre de peu. Je pensais qu'il allait avoir but. Ce qui a manqué, c'est un peu de réussite. Socrates.
Stones. Socrates. La perte de balle de Manchester United. Mo Salah. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Le Real qui va tenter de porter le danger. Le ballon qui est sorti, la remise en jeu pour le Real. Lippmanen. Mbappé. Eh oui, c'est bien fait, c'est intelligent. Bonne intervention. Et le ballon est repris. Le coup de sifflet final, on va rester là dans cette partie. Et le Real Madrid concède la défaite. Il a beau avoir d'énormes qualités au niveau individuel, ce qu'on a vu, c'est une équipe sans ressources, sans revolte, sans la volonté de provoquer un déséquilibre collectif, une prestation décevante dans tous les compartiments de jeu.